comme il a fait Thier, je suis togolais d'origine, vivant aux États-Unis plus de 14 ans maintenant. Je suis ingénieur des systèmes de base de données pour le département de défense, travaillant au Pentagone et ici à Washington, D.C. Je suis également officier de l'armée de réserve des affaires civiles et psychologiques et auteur, publiant mon premier livre que j'ai intitulé « Chasser mon rêve, l'histoire d'un immigrant, un Africain aux États-Unis ». C'est une longue histoire, mais tout a commencé par ce petit rêve d'aller aux États-Unis. Je me rappelais bien que j'étais en classe de première, où j'avais commencé par rêver de l'Amérique. Et ne sachant pas comment y faire, j'ai poursuivi mes études et après l'obtention du bac, mes deux premières années à l'Université de Lomé, et j'ai commencé par postuler. Et après plusieurs tentatives et pour l'application du visa étudiant, et finalement, en mars 2004, j'ai obtenu ce visa de venir aux États-Unis. Vraiment, c'est un parcours très long. Et après 14 années de lutte, des fois pas couronné de succès, mais vers la fin, ça a fini par triompher et ce rêve est devenu réalité. Ma première tentative pour obtenir un visa américain, c'était le 31 décembre 2001. J'étais jeune, j'étais en pleine ambition et j'ai fait la demande. J'étais allé à l'interview un 31 décembre 2001, mais ça n'a pas marché. Tu pouvais imaginer, en tant que Togolais vivant au Togo, étudiant en plus, et voulait partir à tout prix. Et après cet échec, bon, on m'a seulement dit de revenir après. Et je suis revenu en 2002, ça n'a pas marché. Je suis reparti en 2003, ça n'a pas marché toujours. Et finalement, en 2004, ça a marché. Son immigration aux États-Unis n'a pas été facile. Je l'ai escorté à l'aéroport avec espoir que déjà le deuxième, troisième jour, je vais écouter de lui aux États-Unis. Mais cela n'avait pas été le cas. Je vous dis que cela n'avait pas été le cas. Deux, trois jours après, je n'ai pas écouté de mon petit frère. Alors qu'entre lui et moi, il y avait eu beaucoup de choses. Et je détenais tout. Bon, comme tout Africain qui immigre, aujourd'hui, on voit comment les gens même vendent leurs biens pour immigrer aux États-Unis. Les gens faire des prêts pour immigrer aux États-Unis. Ça a été aussi pour Komi, en fait, comme ça. Quand je suis arrivé, c'était un 24 mars 2004. J'ai été accueilli à l'aéroport par les officiers d'immigration, bien sûr. Et après l'entretien, ne comprenant pas très bien ce qui se passait, j'ai été inadmissible sur le territoire pour entrer dans le territoire américain. Donc ma première nuit a été passée en nuit, en prison, pour la première fois, tu pourrais imaginer. Après toutes ces années de parcours et de lutte est arrivé, et on vous dit que monsieur, vous ne pouvez pas rentrer sur le territoire. Donc j'ai passé pendant presque 4 mois en prison avant de sortir. Donc déjà, ce début, c'était tumultueux pour ma vie aux États-Unis. 2 mois après son départ, un matin, à 4 heures du matin, mon téléphone a sonné. Quand j'ai décroché, tout le message était télégraphique. Je dirais ceci. Grand frère, c'est moi ton petit frère Fofo. Juste pour te faire savoir que je suis toujours vivant. Continue pas à prier pour moi. Et le message était coupé. Comme tout immigrant qui vient ici, nous commençons par vraiment le bas, quoi. C'est-à-dire tu vas faire les travaux, les petits boulots de gauche à droite et commencer maintenant ta vie. Donc l'un de mes premiers travaux était de travailler dans un restaurant, un fast-food qu'on appelle ici. Et j'étais comme le cuisinier, je dirais. Et notre spécialité, c'était le poulet. Donc j'étais le garde derrière qui cuissait les poulets pour les clients qui venaient devant. Donc c'était mon premier emploi que, bon, j'étais tellement content de l'avoir parce que d'où je venais, c'était difficile d'obtenir un emploi même en tant qu'étudiant.
Donc de là, ça continue. J'ai eu une série d'autres boulots que j'ai fait, y compris être chauffeur de taxi, que j'ai conduit pendant 2 années dans la ville de Louisville, Kentucky. Et de là, il y a eu encore d'autres petits boulots. Mais dans tout ça là, mon idée n'a jamais été de rester là, mais de continuer pas à persévérer, parce que je sais que je suis arrivé dans un pays où il y a plein d'opportunités. Et ça ne tenait à moi de pouvoir les chercher et d'aller de l'avant. Je suis sûr que beaucoup d'immigrants peuvent s'identifier encore dans cette histoire. En venant ici, j'avais peut-être 4 paires de jeans, peut-être 2-3 paires de chaussures, quelques chemises, peut-être une valise, hein, et puis mon sac au dos et $165. C'est tout ce que j'avais pour commencer mon parcours sur le territoire américain. La plupart des immigrants francophones qui viennent comme moi, on ne parle pas anglais. C'est bien vrai qu'on a étudié l'anglais à l'école, mais bon, nous tous nous savons que l'anglais que nous étudions à l'école, des fois, c'est insuffisant ou bien c'est pas vraiment ça, quoi. Quand tu viens, l'anglais américain est totalement différent de l'anglais que nous apprenons là-bas. Non. Les verbes peuvent être les mêmes, certaines choses, mais les Américains parlent leur anglais à leur façon. Donc, venant en tant que francophone, je ne parlais pas du tout anglais. Et ça a été l'une des causes même de mon arrestation à l'aéroport, parce qu'on me posait des questions que je ne comprenais pas, je répondais pas le peu que j'avais. Donc tu pourrais imaginer donc être adulte et recommencer à apprendre une nouvelle langue de A, B, C, D, 1, 2, 3, 4, et vouloir faire des études supérieures dans cette langue-là, tu pourrais imaginer. J'ai appris l'anglais d'abord en regardant la télé, les dessins animés. Et de là, je me suis inscrit à l'université, j'ai commencé par les classes d'anglais. Et petit à petit, on a continué par accélérer, à progresser. Et aujourd'hui, cette langue est devenue comme une seconde nature pour moi et comme beaucoup d'Africains d'origine francophone qui ne parlaient pas du tout anglais avant de venir. Je n'ai jamais imaginé que je serais au Pentagone travaillant dans ma capacité que je suis actuellement. Mais en venant, je savais dans mon cœur que je pouvais faire quelque chose de différent avec ma vie. J'étais déterminé à réussir à améliorer la vie que j'ai laissée derrière, quoi. Donc, ce qui m'a fait que je cherchais toujours des opportunités. Je voulais à tout prix aller de l'avant et me distinguer. Donc, ça fait que j'ai pris les études au sérieux et je répondais toujours à des opportunités, pas des oui. Si quelqu'un me dit qu'il y a quelque chose qui peut faire, peut donner un résultat, je suis le premier à vouloir essayer. Donc, ça m'a amené à passer par des étapes différentes. Même j'ai eu à faire un petit séjour au département d'État aussi, et maintenant je suis au Pentagone. Et je crois que tout ça là, peut être attribué peut-être à ma détermination d'obtenir le meilleur et d'être le meilleur de moi-même. Et ce qui m'a fait que, en postulant pour différents postes, en allant dans des entretiens, les gens qui m'interviewaient ont toujours voulu que, bon, c'est quelqu'un qui veut vraiment faire du travail. Comme il y a toujours eu en lui ce caractère de leadership, on avait formé un groupe appelé Mufasa, des jeunes Togolais, on faisait surtout la fête, mais on ne parlait pas assez business. Mais quand même, de temps à autre, on se conseillait sur l'importance des études, l'importance de l'avancement, du développement de soi en fait. Et comme il a été un pivot dans ce rôle-là, on appelait le président parce que, comme il y avait ce charisme en lui d'être un leader, d'être un jour un politicien, c'est parce qu'il avait le service du public en lui. Donc il a toujours cru en lui, il a été toujours ouvert sur ses idées et voir comment aider les autres. Arrivé un moment, il a pris la grande décision de se retirer. J'ai quitté le Togo en 2004 en tant que citoyen togolais et 10 ans plus tard, en octobre 2014, j'y suis retourné à Djibouti, sur la base américaine qui se trouve là-bas, en tant que soldat américain. Et c'est un peu fascinant de voir la réaction des gens. Ils te voient en uniforme de l'armée américaine, mais tu parles français couramment, tu t'identifies à leur culture. C'est fascinant de voir, quoi, parce que j'étais dans leur peau il n'y a pas trop longtemps, en tant qu'Africain, et je suis revenu comme Américain. Donc cette expérience a été l'une des meilleures expériences que j'ai eues en tant qu'Africaine d'origine, devenue Américain pour repartir sur le continent. Donc partout où on allait,
les gens qui se disent, mais bon, ton nom, c'est d'où, tu parles français, c'est comment ton histoire? Et je leur dis, bon, j'étais aussi ici il n'y a pas longtemps, et j'ai seulement fait un parcours aux États-Unis et me voilà de retour. C'était quelque chose, une expérience vraiment, vraiment très remarquable pour moi. Pour les gens qui sont familiers avec la base américaine à Djibouti, la base là se trouve juste de l'autre côté de la base française. Et en tant que mon travail, l'un de mes travaux là-bas était d'être la liaison entre notre base et puis leur base là-bas. Et c'est fascinant de voir quand nous allons à des réunions avec les officiers français de leur armée française, ils te regardent parce que je parle avec mes supérieurs ici, je traduis certaines choses pour mes supérieurs ici en français. Et les Français te demandent, mais comment tu parles français? Mais comment ça s'est passé que tu peux être américain, parler français comme ça? Je leur disais que bon, je suis togolais d'origine. Mais ils disent, comment un togolais peut être dans l'armée américaine, être une liaison entre les gens de haut gradé? J'ai dit, bon, au fait, les États-Unis, c'est vraiment le pays qui te donne l'opportunité d'exceller par tes qualités. Donc, quand mes supérieurs ont su que je suis d'origine africaine, je parle bien français, ils disent, mais voilà, c'est la personne qu'il nous faut, à la place qu'il nous faut. Donc, ils s'en foutaient pas mal si j'étais d'origine, quoi que ce soit, mais pour eux, qu'est-ce que je pouvais apporter comme, positif dans leur environnement. Donc, les Français étaient vraiment, les officiers français, je dirais, ils trouvaient ça un peu, bizarre, quoi. Parce que eux, bon, ils n'ont pas, j'ai rencontré pas mal de soldats français d'origine africaine, mais pas à certains niveaux, Donc, chaque fois que tu parles avec eux, ils sont vraiment émus quoi, du parcours qu'un Togolais qui est né sur le continent, grandi sur le continent, peut partir aux États-Unis et en l'espace de 10 ans, peut atteindre un niveau où il peut s'asseoir avec des officiers de gradés qui peuvent faire des conversations courantes. C'était vraiment fascinant.